Salut à vous! Alors souvent pour la Chandeleur, tout le monde demande mais quelle est la meilleure recette de crêpes? Et bah tout de suite, nous allons visiter celle faite par notre grand chef. Eh hey, tiens, bonjour monsieur Cyril Cognac. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, très bien. D'où vient ce petit accent là? Du Nord, je sors avec ma cousine. Ah, bonjour Lillois. Alors dites-nous, pourquoi votre visite de la crêpe Suzette s'appelle la crêpe levrette? Bah j'adore les bébés lièvres, les petites levrettes. Ouais non, c'est bon. Allez! C'est vrai que souvent, les émissions comme Le Meilleur Pâtissier mettent en avant la réussite. Et comme il y a plus de personnes qui échouent que de personnes qui réussissent, et ben moi j'ai envie de montrer les échecs. Suivez-moi. Et donc la question c'est, et vous en êtes où au niveau réussite? Mon affaire ne marche pas trop, hein. Ma crêperie, la crêpe gastro, j'aurais dû l'appeler le Titanic, hein. C'est une affaire qui est cool. Bah ça va, parce que moi après l'iceberg, je le mets dans le Ricard. Commençons par la crêpe. Allons-y. Alors pour les ingrédients. On prend un peu de sucre. Ouais. Faut aussi un peu de sel. Ouais. Un peu de bière aussi, la bonne bière d'ici. Ouais. Du lait, de l'huile et de la farine. D'accord. C'est une crêpe biologique, c'est bien ça? Ouais, à peu près, ouais. Alors, on part sur 300 grammes, c'est ça, monsieur Cognac, hein? Non, mais y a pas besoin de balance. Un peu de sucre aussi. D'accord. Et vous ne pesez. D'accord, oui, c'est vraiment. Ouais, après, bah, on délaye avec de la bière. Hein. D'accord. Et ça. Une petite soif. À peu près 250 millilitres. Voilà. Je crois que vous avez vidé la canette. Non, mais. Vous en faites pas, moi j'ai. D'accord, c'est vrai. La balance dans l'œil. Ah oui. Combien j'ai de doigts là, monsieur? Et donc, l'astuce pour savoir si la pâte est prête? Faut écouter. J'adore le bruit. Donc là, c'est parti. Ça chauffe. Avec les doigts. Ouais, ça met plus de saveur. T'as vraiment couleur bière, quoi. Très important, c'est de la retourner à la fin. Voilà. Vous avez vu le petit passe... juste de Monsieur Gasson.